torpeur et l'horreur. Enfants de tout pays et de toutes couleurs. Enfants de partout, bienvenue dans notre fantôme. Je suis Jean-Claude Vampire et je vous présente mon ami Gérard Quasimodo. Face là, les infâmes, de l'entrée dans les ténèbres, de l'horreur, de la peur, de la terreur, de l'effroi, de la rose, de l'icône, du sauvage, de l'état d'urgence. C'est Gérard, c'est moi, pardon. Pardonnez-moi, excusez-moi. C'est quoi cette voix pourrie là? C'est pour faire peur, oui. Vous avez peur les enfants? Non. Vous avez peur les enfants? Non, mais tu fais pas peur, on a peur pour toi surtout. Ça fait longtemps que c'est fait. Tu veux faire peur aux enfants? Écoute bien, les enfants, regardez-moi. Si ça continue comme ça, dans 20 ans, il y a une chance sur 5 que vous soyez atteint de calvitie comme nous. Thank you.
crever, j'en peux plus. Ça fait depuis mercredi soir. Bon, là, c'est ça va. Il y a le métro. Oui, c'est vrai, il y a le métro. Oh là là. Le métro. Bon, bref. Vous avez vu les enfants, c'est le fils de Quasimodo et l'Esmeralda. C'est Quasimanda. Et en plus, elle a des seins dans le dos. Et c'est pas facile pour allaiter. Hein. Gérard, j'ai une question à te poser. Est-ce que ce sont des vraies dents? C'est un masque! Il est décollé avec un vieux dentier de la cousine de Disney. Et elle a été employée. C'est pour vous jouer mieux le bossu de Notre-Dame de Paris. C'est une merde, j'ai l'impression. Ça, pour le manque de respect! Si vous payez! Oh là là, attendez, jamais vous Gérard comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis convaincu que c'est mon dernier tour. Gérard, c'est la retraite, c'est ça, déjà? Quel fou à 35 ans, alors. C'est marqué sur le compteur. Non, non, c'est tout ce travail, parce qu'en fait, j'ai une opportunité outre-Atlantique. Oui, les Américains ont caché un peu, ils m'ont découvert, enfin, en physique, ça, mes mimiques, ma présence. Donc là, j'ai un beau contrat. Donc c'est pour ça que j'ai écouté ce petit matin. Tu vas faire quoi comme rôle? Un peu un blockbuster. Oui, c'est pour quel rôle? L'homme invisible. Si je veux toi dans mes deux.
Allez, tu vas voir. On va aller prendre une petite douche.